Il me reste une minute. Je vais vous montrer. Donc, pour le dîner, je prends mon vrac salade. Je vais faire une salade pour Sylvain et moi. Mes mains sont propres. Et il y a l'équivalent dans ce vrac salade de 12 à 14 pouces et légumes variés bio. Il y a l'équivalent de 5 repas salades, vous voyez. Donc, je suis très généreuse. Et dans cette salade, on rajoute ce qu'on veut. C'est la base. C'est vraiment la base pour être en santé. Je vais mettre de côté mon livre. En fait, pour soutenir notre énergie, notre vitalité. Donc, moi, j'aime bien rajouter pommes, avocats, noix, des noix de Grenoble. Et je vais faire ma sauce à salade aussi. Mais, tu sais, quand on est pressé, puis comment que ça se fait bien, que ça se prépare bien, comment que c'est merveilleux de manger cette salade. Il n'y a personne depuis le temps qui ne s'est pas régalé et qui en a pas demandé le lendemain. Donc, même, tu sais, ce qu'on me dit, ce que j'adore, c'est que même les personnes qui n'aiment pas les légumes aiment notre salade. Je vais faire la sauce à salade. J'ai préparé aussi des graines de chanvre et des noix de Grenoble. C'est vraiment très bon. Et maintenant, ma sauce à salade. Il m'en restait un fond, mais je vais en refaire. Donc, je prends du damari. Je mets, tu sais, je vais mettre comme 50 ml, mais là, c'est un peu moins que ça. Mais vous, si vous voulez une référence, là, 50 ml de damari, 50 ml de vinaigre de cidre de pomme. Ça peut être du jus de citron aussi. Donc, je vais mettre 50 ml de sirop d'érable. Ça peut être du miel. Et moi, j'aime bien. Après ça, on peut tout simplement allonger d'huile d'olive. Moi, j'aime bien rajouter un peu de sésame grillé, d'huile de sésame grillée dedans. Ça donne un beau goût asiatique. Là, j'ai pas mon huile à côté de moi. Donc, c'est tout. Je vais continuer, je vais compléter en huile d'olive. Et ça va me faire ma sauce à salade. Je vous ferai des variations, OK? Parce qu'il y en a tellement. La sauce à salade là, que moi j'aime, ça c'est celle que Sylvain aime, mais celle que moi j'adore, c'est avec du beurre. Donc je vais faire une émulsion avec du beurre, je vais rallonger, je vais prendre du beurre par exemple d'amande ou du tahini, c'est tellement bon avec du tahini. Je vais rallonger d'eau, je vais mettre un peu de sirop d'érable, de l'huile de sésame grillée, c'est délicieux. Donc, sensiblement les mêmes ingrédients, mais à partir du beurre d'amande. Voilà.